On a estimé qu'au niveau de nos programmes de master, que le taux, le ratio enseignant attitré, ça veut dire celui qui a un diplôme de doctorat, par rapport aux étudiants, ne devrait pas dépasser 2 à 3 étudiants. Et c'est dans cette perspective, donc, avec à peu près 240 enseignants ayant le titre de docteur, que l'on a estimé que l'on pouvait, dans un premier temps, accueillir 506 étudiants. Cela étant, il y a des programmes pour lesquels nos capacités d'accueil ne seront pas atteintes pour une autre raison, mais on n'a pas le droit de dépasser dans n'importe quel programme les capacités d'accueil que l'on a déjà communiquées. Aller dans une formation nécessite toute une procédure, une demande d'autorisation, etc. etc. On n'est pas si sévère pour rentrer dans ce genre de logique. Seulement, la question a été étudiée au niveau du conseil d'administration et une décision est tombée. C'est qu'en tout cas, pour chaque programme de master développé, on va admettre au plus 2 de nos assistants. Ça veut dire si les 20 programmes que nous avons développés devaient être lancés en même temps, il y aurait 40 assistants qui seraient admis, ce qui correspondrait à peu près 10% de notre personnel enseignant. Là, ça veut dire que c'est déjà, je veux dire, énorme comme concession. On va pouvoir gérer cela certainement, mais c'est le maximum en tout cas qu'on peut autoriser. Vous avez également souhaité savoir, effectivement, bon, ça c'est pour les assistants, ok? Alors pour les maîtres assistants qui, eux, aspirent au troisième cycle, là il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, pourquoi? Parce qu'ils restent disponibles. Le troisième cycle étant une formation particulière où le candidat docteur prend une initiation à la recherche, mais reste disponible pour assurer quelques enseignements qui parfois peuvent même rentrer dans le cadre de sa recherche. Si ils doivent payer des frais, alors que ceux qui ont la chance d'aller à l'étranger ne payent pas ces frais. Là, je ne reviens pas, vous avez dit, c'est le financement du gouvernement, les financements pour les bourses à l'étranger qui sont diversifiés. Ok? Ce n'est pas forcément des fonds du gouvernement. Alors, là, qu'est-ce que je dirais? En tout cas, je pense que n'importe quel employeur souhaiterait renforcer les capacités de ses employés pour améliorer la production. Et l'Université du Burundi ne fait pas exception. Et donc, c'est notre souci également que de pouvoir renforcer les capacités de notre personnel, surtout pour les assistants et maîtres assistants. Mais comme cela appelle à un financement, et que nous, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes une institution publique qui utilise des fonds publics, vous comprenez que ce n'est pas une décision que l'on peut prendre librement et rapidement comme ça, sans avoir eu une orientation claire de notre bailleur. Et donc, comme j'ai toujours dit aux assistants et maîtres assistants, ce n'est pas une résolution d'une équation de mathématiques directe, mais c'est plutôt une approche de dialogue. On doit rester en permanence dans un dialogue qui va nous conduire finalement à un terrain d'entente qui pourra être appliqué. Écoute, il y a une ordonnance qui nous dit que chaque candidat doit passer un concours. Et je pense qu'on a respecté le cadre légal.
et on essaie d'être le plus équitable possible. Par ailleurs, eux qui sont restés à côté de la matière, je pense qu'ils ne doivent se faire aucun souci par rapport à la réussite. Cela étant, comme le problème est clairement posé, et là, je reviens à ce que je venais de dire, c'est toujours une approche de dialogue. C'est toujours une approche de dialogue qui pourra permettre de décanter cela. Mais je n'ai pas vérifié, il se pourrait que certains d'entre eux auraient participé au concours. Ça, c'est quelque chose qu'on a vérifié. Mais sinon, rien n'est perdu. Le dialogue aura toujours sa place. Ce n'est qu'un début. Merci bien pour ces questions. Je suis très à l'aise que la question me soit posée par Emedi ou du ministère de l'Éducation. Parce qu'au moins, vous savez, vous avez une certaine base des réalités du ministère. Pour le cas des éventuels étudiants qui seraient employés quelque part, ici, je dois attirer votre attention parce que c'est une question qui se discute un peu partout, voire même dans la rue, et les gens se posent des questions, ils se donnent même des réponses, et parfois ils risquent même de dépasser les limites. Vous savez, ces programmes que l'on est en train de développer, je ne dirais pas que c'est la première fois qu'on développe un programme de master, mais la manière dont on le développe, placé dans le cadre de la réforme BMD, tout devient particulier. Il y a un règlement du cycle master qui a été élaboré. Et ce règlement prévoit, bel et bien, des étudiants à temps plein et des étudiants libres. Pour le cas de ces programmes, c'est un programme qui est, ce sont des programmes prévus pour les étudiants à temps plein. Ça veut dire que pendant tous les 8 heures de service, ils seront soit... Bon, c'est d'ailleurs... c'est pas tous les 8 heures de service, parce qu'au-delà du service, quand vous êtes étudiant, vous avez beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que pendant la journée, il y aura la présence ou non d'un enseignant en classe, mais il y aura également des travaux individuels des étudiants qui devront être faits. Et donc, dans ces conditions, est-ce qu'on peut être à mesure d'être en même temps en classe et de répondre finalement présent à son autre poste? J'ai l'impression que ça ne sera pas facile. Par ailleurs, nous, à notre niveau, nous allons exiger à tous ces candidats avec un statut pareil de déposer, une attestation de mise en disponibilité. Alors, quant au programme soir, oui, on y a pensé parce qu'on sait que le besoin est là. Mais comprenez avec nous que quand il faut apprendre à conduire, étant au Burundi, vous n'allez pas quand même prendre votre voiture et conduire à Bujumbura. Attendez que l'on stabilise d'abord le programme jour. Parce que le programme soir, c'est un programme très exigeant, c'est un programme spécial dont on ne sait pas anticiper à l'avance la durée. Et du coup, c'est quelque chose qu'on pourra envisager après une évaluation de la première année, peut-être aussi de la deuxième année, mais la réflexion est là, le débat a déjà commencé, et on va peut-être aussi sonder le marché pour pouvoir savoir finalement là où le besoin est énorme et peut-être concentrer nos efforts dans ce sens-là. Mais sinon, les programmes qui ont été développés sont des programmes entièrement du jour et pour lesquels nous, nous exigeons que les étudiants soient des étudiants à temps plein. Sauf que s'il y a une ou autre personne qui souhaite prendre quelques unités d'enseignement avec un statut d'étudiant libre, c'est permis, il pourra toujours le faire. Je dirais que il faut être attentif le jour
de l'ouverture de l'année académique va correspondre au jour de lancement de tous les programmes de Ferma développés par l'Université du Burundi. Ce n'est plus une histoire de compter les années de formation, c'est plutôt une histoire de connaissances et compétences acquises. Et s'il advenait que quelqu'un qui a fait 5 ans finalement retrouve dans son programme actuel des unités d'enseignement entières ou quelques éléments constitutifs des unités d'enseignement que lui a déjà validées dans le passé, mais alors il sera dispensé. Et de cette manière-là, il sera privilégié par rapport à d'autres. Mais sinon, on essaie d'harmoniser les entrées comme les sorties seront obligatoirement harmonisées. Il n'y a pas quelqu'un qui, parce qu'il est entré avec 5 années de formation, pourra sortir avec un diplôme qui n'est pas un master comme les autres. Et donc voilà, la notion d'année, il faut peut-être un peu oublier et considérer finalement ce qu'on a pu accumuler comme connaissance. Sinon, suivant le rythme d'apprentissage, quelqu'un peut apprendre en 4 ans ce qu'une autre personne peut rapidement accumuler en 2 ans. Ce qui est important étant les acquis de la formation, les compétences de la formation à la sortie. Ce qui nous intéresse, c'est d'ailleurs notre mission en tant qu'université, c'est de délivrer finalement les connaissances. Mais comme toute cette opération finalement nécessite un peu de fonds et que notre bailleur peut-être n'est pas à mesure de nous donner suffisamment de fonds pour le lancer, c'est de cette manière-là qu'on exige une contribution des candidats. Et alors, comprenez que, effectivement, en tant que responsable de l'université, je ne sais pas rapidement dire voilà, ça sera à telle hauteur, avant d'avoir, la part de la hiérarchie pour pouvoir savoir que la formation exige un tel montant, ce qui est couvert par notre bailleur de fonds. Terme que la contribution des candidats devrait être de tel niveau-là. La question est sous débat, d'ailleurs très avancée, et il faudra rester en contact avec nos moyens de communication, que ce soit à travers notre série de communication, que ce soit sur notre site web, que ce soit même sur les réseaux sociaux comme Twitter où on est présent, vous aurez l'information en temps utile. Nous ayons